بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيخ سوغ شيخ خير، مرحبا بكم، ميرسي دو نو رجوان سو كانال الجيري دتر فيدال لفوتر ايميسيون افي ريليجيو. نو فيفون سي جور سي لي ديرنيير جورني جور و لا نوي دو رمضان، لا ديرنيير ديكاد du Ramadan, l'ashr al-awakhir min Ramadan, on y trouve dans lesquels on attend la nuit du destiné qui a ses mérites. On va voir les mérites de cette nuit. Et puis nous sommes à quelques jours de l'Aïd al-Fitr, la rupture de notre jeûne. Qu'est-ce qu'on commence à célébrer Eid al-Fitr, le monde Zakat al-Fitr, le monde al-Fitr, comment la sortir, etc. Pour tous ces détails et pour répondre à vos questions, chers sœurs, chers frères, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi Dr Boualem Djouhri, enseignant à l'université Abdelrahman Mira de Bidjaya. Docteur Djouhri, مرحبا بك. الله يسلمك ربي يسعدك. Comment va avec ces... Alhamdulillah, Dieu merci. Avec ces dans Ramadan. Alhamdulillah. C'est le troisième tiers du Ramadan. C'est le finish. Mais ces jours-ci sont très importants pour les œuvres, les bonnes œuvres pour la... Inch'Allah. Quels sont les mérites de ces jours-ci? بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شير فرير شير سير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته effectivement nous sommes déjà c'est-à-dire dans le finish du mois de Ramadan et le musulman doit redoubler d'efforts. Et c'est pour ça que dans la dernière décade, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a redoublé d'efforts dans les heures nobles, telles que l'aumône, la charité, sadaqa, kana ajwada min al-rih al-mursala, comme l'a décrit Sidna Abdullah ibn Abbas. Et dans les tarawih, tahajjud, il redouble d'efforts. D'ailleurs, il ne décline jamais l'œil pendant la nuit, c'est-à-dire il reste éveillé pour adorer son Dieu. Et il fait ça pendant toutes les nuits de la dernière décade. Et concernant la nuit du destin, la nuit honorable, la nuit de la valeur, qui était la nuit de la révélation du Coran, comme l'a indiqué Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, inna anzalnahu fi laylati al-qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla' al-fajr. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'al-qadr. Et que sais-tu de la nuit d'al-qadr? La nuit de l'Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une faveur pour la communauté, la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne vit pas au-delà, je sais pas, de 100 ans, sauf rarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est inquiété par rapport aux œuvres que nous avons ramenées avec nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la réponse était que Allah Azza wa Jalla a donné cette nuit qui équivaut le travail, l'œuvre de plus de 83 ans, c'est-à-dire toute une vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala exauce et accepte et agrée une seule nuit dans ta vie, la nuit de l'Qadr, la nuit du destin, vous aurez la récompense comme si vous avez été toute votre vie en étant à la prosternée ou en faisant de la charité ou en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala, etc. C'est une faveur donnée à cette nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas été donnée aux autres nations qui nous ont précédés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit durant celle-ci, les anges descendent ainsi que Jibril. C'est-à-dire que c'est un grand événement.
qui ne concerne pas seulement ceux qui vivent sur terre, mais c'est un événement aussi aux cieux, si vous voulez. Djibril est concerné et beaucoup d'autres anges sont concernés d'ailleurs. Ils viennent, c'est-à-dire ils descendent cette nuit-là pour être dans toutes les issues. Hein, qui mènent aux mosquées, etc. Et ils s'y rendent chez ou devant n'importe quel musulman croyant qui est en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit-là. Il le salue et il prie pour lui, il lui demande pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'aube. Hein, et là aussi, c'est une grande faveur qu'a offert notre Créateur à cette nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, sur ordre de leur Seigneur, pour toute chose, hein, min kulli amr. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été évoqué dans les exégèses du Coran, c'est que cette nuit-là, si on l'appelle la nuit du destin ou de la nuit de la destinée, parce que Allah subhanahu wa ta'ala donne ses ordres aux anges pour tout ce qui concerne, c'est-à-dire le destin hein, de l'être humain jusqu'à l'autre nuit de l'année prochaine, s'il sera parmi, bien sûr, Les vivants. les vivants. Dans un autre verset, il dit, Subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka, inna kunna munzirin. Hein, fiha yufraqu. Kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna munzilin. C'est-à-dire que pendant cette nuit-là, il y a les grandes décisions à prendre pour les destins des humains. Ça veut dire que nos invocations, inshallah, auront une certaine considération pendant cette nuit-là pour au moins, c'est-à-dire avoir du surplus par rapport à notre destinée, les risques, etc., tout ce qui rentre dans ce que nous allons apercevoir pendant l'année. Alors, il faut faire beaucoup d'invocations, de demandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, sur ordre de leur Seigneur, pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à l'année, bien sûr, suivante, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Cette nuit du destin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a, c'est-à-dire, conseillé de la chercher dans la dernière, parmi les journées ou les nuits de la dernière décade du mois de Ramadan. Iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan. Et puis dans un autre propos, il dit Iltamisuha fi awtar al-ashr al-awakhir min Ramadan. C'est-à-dire, cherchez-la parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire le 21e, le 23e, la nuit qui vient avant le 21e jour, hein, le 23e jour, le 25e jour, le 27e jour ou le 29e jour. Et puis dans un autre propos qui est au sein du Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous abrège un petit peu cette recherche, hein, et il nous donne une faveur, il dit « Iltamisuha fi awtari sab'i al-awakhir », c'est-à-dire à partir du 24e, sab'i al-awakhir, 24, 25, 26, 27, 28, et 29, peut-être 30. Peut-être, il y en a 30. C'est-à-dire, alors le prophète a exempté, si vous voulez, la nuit du 21e, la nuit du 23e. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le 25e, le 27e ou le 29e. Et dans un autre propos, le prophète a quelqu'un l'a interrogé, est-ce que la nuit de la destinée est la nuit du 29e jour? Et il a dit, non, ce n'est pas la nuit de la destinée. Et si c'était le 29e jour, parce que le prophète a a ordonné une fois ses compagnons à célébrer, à adorer, à faire la prière cette nuit-là, hein, comme l'a raconté son compagnon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu wa arda. Et si c'était la nuit du 29e jour, ça sera facile c'est-à-dire à s'en souvenir. Hein. Mais ce n'était pas alors la nuit du 29e jour. Alors, on abrège un petit peu notre recherche pour dire que peut-être ça sera la nuit du 25e, peut-être que ça sera la nuit du 27e jour. Et là, on a
c'est-à-dire les avis qui convergent vers Le le 27e. 27e jour, Oui. on va dire à 90% ou plus, Inch'Allah, Laylat al-Qadr, hein, c'est la nuit du 27e jour. Et C'est-à-dire d'ailleurs, An'am, les Algériens n'ont pas tort de célébrer la Pas nuit du seulement que les 27e, Algériens, pas seulement mais que. Bah, je dis à je parle de 90%, toute la nation musulmane célèbre cette converge, nuit. voilà, célèbre cette nuit du Non, notre 20e, 27e célébration jour. Allahi barak. était de cette nuit, c'est de le distinguer quand même. Voilà. Oui. Alors, il y a un hadith, mawqouf, c'est-à-dire un propos de Des la part compagnons. d'un compagnon du prophète, ce qu'on appelle le hadith al-mawqouf. Mawqouf. Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, et ce n'est pas n'importe qui, quand on dit Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, c'est parmi les savants, c'est-à-dire dans la communauté musulmane de ce temps-là. Il était parmi les savants. On va citer Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abdullah, As, Mu'adh ibn Jabal, Ali ibn Abi Talib. Oui. Ceux-là, ou Aïcha, sont les savants de cette communauté-là en ce temps-là. Et Ubay ibn Ka'b était l'imam désigné par Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, pour guider les prières des Tarawih, hein, Oui. pendant Ramadan. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui. Oui. C'est l'imam des Tarawih, c'est l'imam de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith rapporté par l'imam muslim où Sayyidina Ubay ibn Ka'b jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il sait laquelle est la nuit du destin. Et il dit, Wallahi alladhi la ilaha illa huwa, inni la a'lamu ayya laylati hiya. Innaha أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحييها. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire à ceux qui disent que célébrer la nuit du 20e jour, 27e. 27e jour, rentre dans la bid'a. Non. Ah, subhanallah. Alors que là, Ubay ibn Ka'b dit, c'est la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, hein, d'être éveillé, de faire les prières, etc. Il nous a ordonné, Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an nuhyiha une nuit. Entre guillemets, c'est-à-dire une petite précision. Oui. Vous avez dit que le hadith mawquf, c'est Oui. la parole d'un compagnon. D'un compagnon. Mais qu'il y a une règle sur le hadith. Oui. Le hadith mawquf, Oui. فيما لا مجال فيه للاجتهاد بارك الله له فيه سي حكم كوم سي الحديث حديث المرفوع المرفوع قاله سي صلى كوم سي الله لو عليه بروفيت وسلم صلى الله عليه وسلم كي داكور لا دي وي فول سيني alors c'est pour fermer cette parenthèse, وي c'est-à-dire il y en a des gens qui essayent de perturber notre façon de religiosité, notre façon d'adorer Allah وي subhanahu wa ta'ala, qui est une façon ancestrale, c'est-à-dire on l'a hérité de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et maintenant, ils essayent un petit peu de détourner cette façon, c'est-à-dire de détourner les gens de cette façon d'adorer Malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on est, inshallah, on était dans le droit chemin. Et la nuit de la destinée, c'est la nuit du 20e, 27e jour. Il dit, Innaha al-layla allati amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an nuhyiha, wa hiya laylatu as-sabi'i wal-ishrin. Wa amaratuha an tushriqa ash-shamsu min ghadiha. Alors il dit, je vais traduire. Voilà. Je jure par Allah que je connais cette nuit. C'est la nuit dont le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de prier. Nous a ordonné de prier. Elle est la 27e nuit. La 27e nuit. Son signe est que le soleil se lève le matin brillant, sans rayon. Alors pour ceux qui disent que vous êtes dans l'égarement, si on célèbre la nuit du 27e jour, je leur dis, Inch'Allah, c'est-à-dire le jour de la résurrection, Rabbi hachirna, Inch'Allah, ma'a Ubay ibn Ka'b, et aussi Aïcha, et Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, tous ceux-là disent que on a la certitude que la nuit du destin est la nuit du 27e jour. Et pour les gens qui sont dérangés par les paroles des gens qui disent que bid'a, Ouais. nous avons notre référent national.
référent notre institution, notre ministère, l'Imajalis et les conseillers scientifiques à travers toutes les wilayas. Il y a des compétences. Alhamdulillah. Donc. Et pour ce qui est conseillé pour cette nuit, oui. C'est de faire beaucoup d'invocations. Aïcha dit au prophète alayhi salatu salam, si je suis persuadé que telle nuit est la nuit de la destinée ou du destin, quelle est la meilleure invocation avec laquelle je peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Ma huwa afdalu du'a. Le prophète alayhi salatu salam lui a dit de dire Allahumma innaka takthar yani, hein? Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa. Bon, on va essayer de prendre la plus abrégée, si vous voulez. C'est-à-dire, ô Dieu, hein, tu es le clément et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Voilà. Tout simplement. Voilà, demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr demander tout ce qui est lié à nos souhaits dans ce monde d'ici-bas. Voilà, et il ne faut pas... Avec toutes les langues. Avec toutes les langues, bien sûr, ouais. Allah Azza wa Jalla accepte, bi-idhnihi tabaraka wa ta'ala. Et si Allah Azza wa Jalla accepte Inch'Allah. Cette nuit, voilà, nous serons parmi les heureux. من السعادة من السعادة ربي حين سعادة ومتنا شهادة ولا تخالف بنا عن طريقة الهدى أمين bon pour le pour l'aumône non nous sommes à, oui nous sommes à quelques jours de Eid al-Fitr inshallah et avant de célébrer avant de la prière de l'Eid normalement ouais. Tout musulman doit s'acquitter de zakat al-Fitr oui. Le monde de la tout musulman qui a la capacité, bien sûr. On va parler de, ouais, de celui. Non, ce n'est pas la capacité. De la capacité, c'est-à-dire. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le nisab. Non, ce n'est pas le nisab. Donc, non. Qui est concerné par cet homme Celui qui est concerné, il y en a des avis divergents dans ce sujet. Selon notre école, mais selon notre école malikite, celui qui a Andou Kout Yomihi. C'est-à-dire qu'il a. De quoi manger, être à l'aise pendant au moins une journée ou deux. Il est concerné par Zakat al-Fitr. Cette aumône-là, elle sert déjà à nourrir, voilà, à subvenir aux besoins des pauvres, hein, des nécessiteux, parce que le prophète, alayhi salatu salam, قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم, c'est-à-dire ne les laissez jamais. Demander hein, de la charité, demander la charité pendant cette journée-là de l'Aïd, la rupture du mois de jeûne. La deuxième chose, c'est qu'elle sert à laver notre carême, notre jeûne, c'est-à-dire parfois on commet quelques petites erreurs, hein. Par l'œil, par la langue, ou je sais pas quoi, par l'ouïe, etc. Et la zakat al-fitr, lave, inshallah, tabaraka wa ta'ala, notre jeûne pour qu'il soit vraiment sain. Voilà. Mm-hmm. Et puis, si on la donne pas, hein, on la sort pas, notre jeûne sera suspendu. En quelque sorte, il perd sa valeur. Il perd un petit peu sa valeur. Il sera suspendu. Jusqu'à ce que tu t'acquittes de cette zakat-là. Même après, parce qu'il y en a qui ne s'acquittent pas de cette zakat. S'il s'acquitte de cette zakat avant la prière de l'Eid, elle sera, c'est-à-dire celle qui efface une expiation, si vous voulez, celle qui efface toutes les erreurs, hein, les petites erreurs de notre jeûne. Mais si tu t'acquittes de cette zakat après la prière de l'Eid, ça ne sera pas considéré comme hein, une expiation, kafara, non. Mais quand même, tu es toujours redevable, c'est-à-dire tu dois la sortir, même après, même que tu l'as oublié, etc., tu dois t'acquitter de cette zakat-là, même après salat l'Eid. Mais il faut s'en acquitter, bien sûr, avant Salat al-Eid, ou une journée ou deux, selon notre école juridique malikite, ou une journée ou deux avant
العيد، parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ainsi aussi pendant quelques ramadans. Combien exactement? Bon, l'équivalent c'est 100 dinars sur chaque tête, c'est-à-dire qui sont à notre charge. Voilà. Et soi-même, bien sûr. Si on est 5 à la maison, c'est-à-dire 500 dinars. Si on est 10, 1000 dinars. Voilà. Et celui qui veut donner en plus, qu'il le fasse. Et ce qui concerne, c'est-à-dire, si quelqu'un veut s'en acquitter ainsi, c'est à peu près 2,2 kg jusqu'à 2,5 kg de ce qui se mange, c'est-à-dire abondamment, la moyenne, n'goulou smid ou la tmar ou la etc. pour chaque personne, mais l'équivalent en monnaie aussi, c'est-à-dire inshallah subhanahu wa ta'ala, est agréé. Et en quelques minutes, parce que le temps passe, en quelques minutes, comment célébrer cette, la meilleure façon de célébrer Eid al-Fitr? Déjà, quand on sait que demain c'est l'Eid, hein, c'est la nuit de l'Eid, on commence d'abord par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, rendre grâce à Allah azza wa jalla, faire les takbir, même pendant la nuit, hein, on peut le faire pendant la nuit. Mais c'est plus recommandable la matinée, sabihat l'Eid, c'est-à-dire entre le Fajr et la prière de l'Eid qui sera, inshallah, fil dhuha, le waqt ta'a dhuha. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de faire rupture de son carême, c'est-à-dire de manger quelque chose après le Fajr, avant de se rendre à la prière de l'Eid. Parce que le prophète alayhi faisait ainsi, c'est-à-dire il mangeait au moins comme ça 5 dates avant de s'y rendre à la prière de l'Eid. La troisième des choses, moi je vais la rajouter, parce que le prophète alayhi faisait ça pendant l'Eid, c'est-à-dire avant d'y aller là où il accomplissait la prière de l'Eid, il passait par le Baqi'a. Le Baqi', c'était le cimetière des Sahaba, le cimetière de Médine. Il passait par là, et, c'est-à-dire il saluait les musulmans qui sont enterrés là-bas, et puis il s'y rendait à là où il... Parce que la plupart du temps, le prophète alayhi salam faisait la prière de l'Eid, pas dans la mosquée, mais en dehors de la mosquée, sauf deux ou trois fois où il y avait, c'est-à-dire le climat qui n'était pas favorable pour ça. Alors il l'a fait dans la mosquée. La quatrième des choses, c'est de se vêtir avec la plus belle chose qu'on a à la maison, si vous voulez. Parce que le prophète alayhi salatu salam avait une certaine qashabiya, hein, comme on l'appelle nous, hein, abaya, etc. Abaa, qui était rouge, voilà. Et il l'a laissé seulement pour l'Eid al-Fitr ou l'Eid al-Adha. L'autre chose, c'est toujours de faire les takbirs en route. Même dans la place où on accomplit, ou dans la mosquée où on accomplit la prière de l'Eid, et de ne pas cesser ce takbir jusqu'à ce que la prière, inshallah, commence. D'accord? Il n'y a pas de salat tahiyyat al-masjid dans notre école juridique malikite, c'est-à-dire on se rend là-bas, parce que déjà, c'est le moment entre le lever du soleil. C'est-à-dire c'est un moment où la prière surérogatoire est interdite dans notre école juridique, et la prière, bien sûr, elle sera guidée par l'imam. Il y a la prière et puis les deux prêches, khutba, et dans la première raka'a, il y a sept kibirat. La deuxième raka'a, il y a 7 takbirat, c'est-à-dire 6 takbirat. Et on termine, bien sûr, par le prêche, oui, voilà, khutbat al-Eid. Pour celui qui a raté
Voilà, pour celui qui a peut-être il travaille, une femme à la maison qui ne peut pas laisser son foyer, etc. On peut, c'est-à-dire avoir une autre alternative, badil, c'est-à-dire de faire juste deux rak'at, avec l'intention que ça sera, inshallah, à la place de la prière de l'Aïd, et inshallah, Et on a la récompense on n'oublie de la pas cette prière. arham. Bien sûr. Et Et visiter, voilà, pour terminer. à la fin, bien sûr, on se félicite, hein, en disant taqabbal Allahu minna wa minkum wa ghafar Allahu lana wa lakum. Et on a cette tradition-là, nous, qui est liée bien sûr à ce pardon-là qu'on doit propager entre nous, c'est de faire bien sûr les visites familiales aux voisins, c'est-à-dire à ceux qu'on aime, qui nous aiment, etc. Et vivre l'Eid dans la convivialité, c'est-à-dire dans la gaieté, dans, voilà, essayer de créer au moins des conditions, hein, de fête, si vous voulez, pendant l'Aïd. Parce que le prophète, alayhi pendant l'Aïd, est rentré chez lui, chez Aïcha, il y avait quelques femmes, quelques filles qui célébraient l'Aïd en chantant. Et, voilà. Le prophète, alayhi s'est mis de côté en allant dormir un petit peu. Hein. Et après quelques moments, il y a Abou Bakr qui est rentré. Et il a crié, c'est-à-dire sur elle, c'est-à-dire pourquoi vous faites ça, etc. Ce vacarme. Et le prophète alayhi lui a dit: "Ala rislik ya Abu Bakr, fa innahu yawm 'id, wa hatta ta'lama yahudun anna fi dinina fusha." C'est-à-dire laissez-les célébrer l'Eid. Bien sûr, Chanter, pour chanter. chanter, etc., avoir un air de fête, de gaieté, parce que dans notre religion, il n'y a pas que le sérieux tout le temps. Il y a des petites brèches comme ça pour faire la fête. Et c'est, C'est ça l'Aïd. rentre dans la tradition du prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu Et puis, il y a, bien sûr, le jeûne pendant l'Aïd, haram, est illicite. Et il y a, après chaque prière, inshallah, jusqu'au soir, il y a la tradition du takbir aussi, après, jusqu'à l'asr, dhuhr l'asr, takbir, Takbir. takbir, ba'd salat. Ouais. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nous entamons les questions Inshallah, dans les inshallah. téléspectateurs. Bon, la première question, c'est: est-ce que les femmes sont concernées par les prières de Tarawih au mois de Ramadan? Car un cousin m'a dit, ce cousin, je sais pas, que cette prière est réservée aux hommes. Non? Bon, ce qui a été raconté en quelque sorte par rapport à ce que le prophète alayhi a mis en place comme disposition dans la mosquée, c'est que la mosquée du prophète n'était pas réservée qu'aux hommes. Ça, c'est normalement, ça doit rentrer dans Non, la pour la prière culture, du Tarawih. même pour n'importe quelle prière. C'est-à-dire, si la femme se rend à la mosquée, normalement, peut se rendre à la mosquée, Pour Salat les autres al-Fajr, prières, pour pour les les... autres prières, Salat al-Isha, Salat al-Fajr, etc. Et d'ailleurs, Salat al-Tarawih, elle est juste après Salat al-Isha. Alors pourquoi on privait les femmes sous prétexte que ben, c'est réservé aux hommes? Il n'y a pas vraiment une preuve, parce que si on a une preuve que c'est réservé seulement aux hommes, là, peut-être, on peut dire que vous n'êtes pas concernés, vous, les femmes, de faire les prières de Tarawih. Et puis, il y a la tradition ancestrale aussi, c'est que les Tarawih se faisaient dans les mosquées, même la mosquée de l'Haram, aujourd'hui, qu'on voit à la télévision, etc. Il n'y a pas vraiment. Que les hommes. Voilà, c'est que Oui, les hommes. non. Il y a les hommes et les femmes. Et puis, D'accord, c'est la clair. femme, on dit, on le répète, il n'y a pas une place dans la société, que ce soit le marché, que ce soit les lieux du travail, que ce soit même le djihad, que ce soit La la mosquée. mosquée, où la femme, en quelque sorte, est dispensée de ne pas tenir cette chose-là. Ça reste dans notre tradition,
qu'on a reçu de la part de nos ancêtres et puis qu'ils ont reçu de la part aussi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été destinée que qu'aux hommes seulement. D'accord, c'est clair. Voilà. Bon, j'ai une pension et un salaire de 50 000 dinars. Oui. J'ai une fille mariée et un fils marié qui a 3 enfants, Oui. mais qui ne vit pas avec moi à cause de sa femme avec laquelle je n'ai pas d'affinité. Oui. Je vis toute seule, mais j'ai pris une des filles de ma sœur qui ne s'est pas mariée et Oui. elle vit avec moi depuis 5 ans. Les 50 000 dinars que je reçois, je les partage en 3 parts qui ne sont pas égales. Oui. 20 000 pour moi, 20 000 pour mon fils et 10 000 pour ma fille. Qui est marié, voilà. Mais mon fils n'est pas satisfait par ce partage. Est-ce que j'ai dévié la charia par ce partage ou pas? D'abord, votre fils est majeur, il est un père de famille, il est responsable. Normalement, c'est à lui de subvenir aux besoins de sa famille. Quand je parle de sa famille, sa femme et ses enfants. Mais aussi, en plus de ça, vous êtes parmi ceux qui, normalement, seront à sa charge, c'est-à-dire subvenir aux besoins existentiels de sa mère, rentre dans ce qui est une obligation, voilà, familiale pour le fils. Nafaqa. Yani wajiba lil mar'a. C'est à lui, normalement, de vous nourrir. Voilà. Déjà, en premier lieu. Et puis, vous ne lui devez rien, normalement. Hein? Sauf si vous faites une charité. Sadaqa min indik. Parce que, déjà, la femme, en général, elle ne doit rien à quiconque concernant la nafaqa. La nafaqa, toujours, elle est liée aux hommes. Que ce soit un mari, un fils, le grand frère, le grand-père, peut-être, etc. Elle est toujours liée à l'homme. Cette pension ou cette mensualité que vous apercevez, voilà, elle est de votre droit. Vous faites de cette mensualité ce que vous voulez. Mais du moment que vous donnez 20 000 dinars à votre fils et la moitié de cette somme-là à votre fille, là, c'est bien, vous avez fait, vous faites tous les mois cette donation-là, même que vous n'êtes pas obligé de la faire, voilà. Mais dans votre donation, inshallah, on voit que vous faites un petit peu justice. Voilà. D'accord. Alors, ce n'est pas un problème. Ne vous mettez pas dans Ne te fais pas de soucis, ne vous l'embarras. faites pas de soucis. Ne faites pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Parce que, étant déjà femme, voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de nafaqa. Hein, vous ne devez rien à À quiconque. quiconque, oui. Et puis, normalement, c'est à lui de s'en charger de vous. Hein. D'accord. Une femme a été répudiée par son mari sur papier, Oui. c'est-à-dire sans qu'il prononce ce divorce oralement. Et maintenant, il veut la reprendre au mariage. Est-ce que c'est possible ou pas et comment procéder si c'est possible? Il y a deux cas. Bon, déjà cette femme-là, elle est répudiée, c'est-à-dire mutallaqa. Le divorce est considéré, at-talaq mu'tabar, c'est-à-dire il est pris en considération. C'est clair. C'est clair. Même que ça soit pas prononcé, Oui. mais il est mentionné sur papier, c'est-à-dire il est légal dans l'état civil, etc. Ils sont divorcés. Là, il faut préciser une chose Oui. très importante, Oui. très dangereuse en même temps. Oui. Il y a des cas, des gens. Ouais, j'en connais. Non, 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 il faut le dire et c'est Il faut le l'occasion dire. jamais Voilà, oui. parce qu'il y Qui a. font la ruse, si vous Non, voulez. c'est-à-dire. Qui utilisent une ruse. Si vous permettez bien, Oui. c'est-à-dire des gens qui veulent accéder à un logement Oui. sous les formules proposées par l'État, Oui. lui, peut-être qu'il a déjà bénéficié, l'a vendu, Oui. il veut que sa femme On bénéficie. bénéficie. Ils font Le l'enquête divorce, sur les deux conjoints. ouais.
Donc il fait un divorce au papier. Subhanallah. Il dit que ce n'est pas un divorce. Il reste Allahu avec Akbar. Elle. Allahu Akbar. C'est juste pour justifier, pour que sa femme bénéficie. Déjà, c'est. Le prophète alayhi salatu salam a dit thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Il faut dire avec nikah wa talaq wa al'atq. À travers cette émission, il faut dire c'est un divorce. C'est un divorce. Il est considéré normalement, ils doivent se séparer. Et si ils restent ensemble, c'est-à-dire qu'ils vivent dans l'illicite. D'abord, dîninou akhlaqiyen, on n'a pas à jouer et puis, avec... vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la société, c'est une ruse qui n'est pas, bien sûr. On joue pas avec ça. Alors, je vais traduire un petit peu le hadith du prophète alayhi salam. Trois choses, elles sont toujours sérieuses, même si on fait semblant. Elles sont considérées en étant toujours sérieuses. Voilà. Thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Dans tous les cas, c'est sérieux. Nikah, zwaj, le mariage, l'acte de mariage. Le divorce, il est considéré toujours, même si on plaisante. D'accord ? Il n'y a pas de plaisanterie dans ce domaine. Oui. Et l'affranchissement de. D'un esclave, l'atq. Trois choses qui sont toujours considérées en étant sérieuses. On revient, Inch'Allah, à notre question. Là, c'est un divorce. Là, c'est un divorce. Même s'il n'a pas prononcé. Barakallahu fik. Et puis, on doit vérifier d'abord. Est-ce qu'il ne l'a pas divorcé auparavant? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas la troisième fois? Barakallahu fik. Si c'était la première ou la deuxième fois, il n'y a là, pas il de faut problème. Voir encore. Est-ce que. L'Ida. Oui. Non, c'est. Apparemment, elle est terminée. C'est-à-dire, d'accord. Elle est achevée, la période d'attente. Alors, si c'était un premier divorce ou si c'était un deuxième divorce, là, il peut la reprendre en mariage, bien sûr, avec un nouvel acte. Un nouvel acte, c'est-à-dire avec. Avec tous les piliers de la cet acte-là, les deux témoins, le consentement bien sûr, le tuteur de la femme, la dot et les témoins. Et bien sûr, il faut faire l'acte civil aussi. Oui. C'est-à-dire l'acte civil, bien sûr, nous, en Algérie, on fait toujours l'acte civil avant même la Fatiha, qui est une tradition. D'accord. Et si c'est le premier divorce, il y a une tahsibum li antum un divorce. Déjà, voilà. Il vous reste deux. Si c'était le deuxième, il n'y a plus... Il faut faire attention. Il n'y a plus de place à l'erreur. Vous n'aurez plus la possibilité. D'accord. Si c'était le troisième divorce, c'est clair, il ne peut pas la reprendre en mariage. C'est clair. إلا أن تنكح زوجا غيره sans l'intention de c'est-à-dire de la rendre licite pour celui qui l'a répudié auparavant. Je travaille et mon mari me demande pratiquement la quasi-totalité de mon salaire. Oui. Ça existe. Il ne me oui. laisse presque rien. Ici, je refuse parfois, c'est la guerre mondiale. Nous avons trois enfants et c'est toujours moi qui m'en soucie pour leurs études, leur santé, leur science de sport, bref. C'est-à-dire, c'est un mari démissionnaire. Lui, il n'est plus là que pour donner des ordres et gérer les finances à sa guise. Que dois-je faire avec ce genre de mari, bien sûr, conformément à la charia? Bon, conformément déjà à la charia, il n'a pas le droit de vous demander la quasi-totalité de votre mensualité. Parce que en islam, la femme, elle a certaine dépendance financière. Istiqlal dhimmal maliya. C'est-à-dire, même si elle travaille, on a quelques savants, quelques jurisconsultes qui disent que si la femme travaille après une permission de la part de son mari, il a le droit de demander en quelque sorte à l'encontre, en contrepartie, à l'encontre de cette permission-là, de lui demander une certaine contribution par rapport à ce qu'elle va délaisser, soi-disant, comme peut-être obligation au foyer, etc. Oui. Mais
C'est une minorité aussi, hein, ces savants-là qui permettent ça. Mais normalement, quand la femme travaille, si elle veut contribuer, hein, donner de l'argent à son mari, à ses enfants, etc., ça sera à sa guise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée. Et là, vous avez tout le droit de refuser ce qu'il vous demande. Même, c'est comme vous le dites, il y a toujours la guerre mondiale Mais il faut entre gérer. parenthèses, c'est-à-dire, hein, Il faut gérer ça, c'est délicat un c'est peu. délicat, mais quand C'est même, délicat. il ne faut pas que ça reste comme ça aussi, parce que c'est un phénomène aussi. Il faut le combattre, ce phénomène-là. Il y en a des hommes qui poussent leurs femmes à travailler, à sortir, rien que pour. C'est-à-dire, c'est une autre sorte, moi je le vois ainsi, hein, c'est une autre sorte d'esclavage. Hein? Etc. Alors que normalement, le travail de la femme ne sera pas vraiment une obligation, c'est-à-dire, ce n'est pas une obligation. Mais si elle veut préserver son foyer, On la conseille ainsi, elle c'est-à-dire peut d'être patiente et de subir. patienter. Si elle le veut, je ne sais Bon, pas, mais oui. moi je vois aussi qu'il faut casser ces tabous-là. Ils ont des Parce que enfants. ce sont des tabous maintenant dans notre société. Même que, c'est-à-dire, c'est la société moderne qui les a engendrés, hein, mais ils sont devenus tabous. C'est-à-dire, la femme, elle travaille, elle doit contribuer, etc. Alors que. Parmi les grands piliers de l'institution familiale telle qu'elle est conçue par Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, c'est-à-dire à l'homme, c'est à l'homme de Mais lui, il subvenir aux s'accapare besoins de son. existentiels. Justement, c'est pas par cette, par ce verset. Voilà. Lui, lorsqu'il prend la quasi-totalité de son salaire, Non? c'est justement parce qu'elle dit Non, comme non, 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 Anissa. non. Ar-rijal qawwamuna 'ala Donc elle est an-nisa, parfois mal c'est-à-dire. Non, interprétée. c'est. Voilà. Voilà. Si on rentre bien sûr dans la malinterprétation des textes, Oui. voilà, si on manipule les textes, non. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Bima bil fadl. anfaqo. Barakallahu bima faddalahu ba'dahum 'ala De son ba'dhin wa propre bima argent. anfaqu min amwalihim. Amwalihim, c'est pas bien Amwalihim, amwalihim. il dit Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, c'est-à-dire à toi Anfiqo. de anfiqou, etc. Wa ala al mawlud lahu Lahu rizquhunna rizquhunna wa wa kiswatuhunna kiswatuhunna bil bilma. ma'ruf. Alors, tous les textes C'est clair. voilà, parlent de cette responsabilité qui doit être prise par l'homme, le mari. Ce n'est pas à la femme, à l'épouse, de subvenir aux besoins, voilà, de ses enfants, même de son mari, etc. Sauf, bien sûr, là où elle voit que peut-être il y a trop de charges sur son mari, etc. Tabarra, tabarra, sadaqa, etc. Mais elle n'est pas normalement C'est un engagement obligée. moral, bah. Ce sera un engagement Khalas. moral, Allah ybarak. bien sûr, Ouais. puisque le bayt qaim ala Barakallahu al-mawadda wal-rahma wal-sakina, fik, barakallahu ça va de fik. soi Mais qu'elle moi, contribue. Maître Migari, c'est-à-dire, à mon avis, il faut casser ces tabous-là parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui en souffrent, M'sekin. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui en souffrent. Mais au bout des choses, c'est-à-dire, mais une femme technique, elle faut pas qu'elle dise non, j'ai mon argent propre à moi, et qu'elle voit son mari. Surtout quand la femme a des enfants. Normalement, Je vois pas une femme un qui foyer qui est délaisse. bâti Ben, sur elle l'amour. voit. Hein, je vois pas moi une femme, hein, avec toute l'affection que les femmes en ont, hein, qui voit peut-être que ses enfants sont dans Le le besoin. besoin et son mari n'arrive pas vraiment, c'est-à-dire à s'en charger, etc. Et elle reste égoïste. Non, déjà, c'est contre le caractère, l'instinct de la mère. Que ça va, Ouais, oui. ouais. C'est instinctif. Bon, j'ai entendu dire que c'est permis parfois par les enseignements de l'islam de mentir. Comment qu'un certain acte soit permis par la charia, yani d'un prophète qui n'a jamais menti, Sallallahu alayhi wa sallam. mais qui a été au contraire par sa franchise, C'est-à-dire connu par sa franchise, il oui. est connu, Connu par non, sa franchise. qui a été au contraire
qu'on n'ait pas L'a sa oublié franchise. le Ouais. pas sa franchise, je comprends pas, s'il vous plaît, éclairez-moi sur ce sujet. Bon, il faut. Bon, l'islam est idéaliste, bien sûr, en même temps réaliste. C'est-à-dire parfois, il y C'est a... l'idéalisme réaliste. Voilà, c'est l'idéalisme réaliste. C'est-à-dire parfois, il ouvre des brèches pour commettre des petites choses comme ça, mais qui ne nuisent pas à la façon c'est-à-dire de voir notre religiosité entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui nous règle quelques petits problèmes. Voilà. Et d'ailleurs, parmi les choses qu'a permis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la ruse. La ruse en temps de guerre, al-harbu khud'a. Alors que la ruse, etc., hein, si elle n'est pas pendant la guerre, hein, elle n'est pas permise. Il ne faut pas être dupe, bien sûr. Quand je suis devant l'ennemi et qu'il m'interroge, je suis sous la torture, etc., et il ne faut pas mentir. Là, je suis dupe. Lestu bil khib wa lal khib yakhda'ouni. C'est ça le réalisme de l'islam. Le prophète salam, a dit à Ammar ibn Yasir Fa'in adou fa'oud, madame qalbouka mutma'innun bil iman. Alors, il y a des circonstances dans lesquelles ou pendant lesquelles on est plus demandé, peut-être, à mentir, mais ce n'est pas un mensonge qui détruit quelque chose, etc. Mais quand même, c'est un mensonge, si on peut l'appeler un mensonge blanc. Hein? Enfin. Kadhba bida. Il y a trois, Allahu alam, trois permissions de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans la guerre, le harp, hein? Ce qu'on a parlé, pour réconcilier. Hein? L'islah bien Les annas. salah bayn nas, pour réconcilier deux personnes ou plus, voilà. C'est-à-dire, on va chez cette personne, on lui parle en bien, c'est-à-dire de l'autre personne, pour essayer en quelque sorte d'alléger un petit peu la haine qui était entre eux, etc. L'islah, laysa bikadhibin, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laysa bikadhibin ou bikadhab, man yadkhulu bayna thnayn ou yuslihu bayna thnayn, yaqulu khayran ou yunammi khayra. C'est-à-dire qu'ils disent du bien ou qu'ils amplifient, si vous voulez, qu'ils augmentent le bien. Et la troisième chose, c'est pour garder la bonne convivialité, c'est la convivialité entre les deux époux. Ce n'est pas mentir pour cacher Non, des erreurs, etc. Ou non, de, non. non, ce n'est pas ça. C'est de dire des choses, de bonnes choses, de belles choses, hein, à l'autre, même si ces choses-là, ça ne rentre pas dans sa qualité. Oui. C'est-à-dire, hein, ben, le fuqaha, les jurisconsultes disent, c'est comme si peut-être elle fait un plat. Et puis elle cherche à savoir est-ce que c'est délicieux, etc. Même qu'il n'est pas délicieux, hein, il est recommandable pour son mari de lui dire oh, qu'il est délicieux ce plat, Allah ibarak, Ce n'est pas évident. mashallah, Eh etc. oui, C'est pas évident. c'est Et évident. bien sûr, ce qui ressemble à ça, D'accord. c'est pour avoir toujours cette affinité dans le comportement entre C'est clair. les deux époux. C'est clair. Voilà. Bon, nous avons un grand-père qui reçoit une retraite en euros et Oui. un père négligent qui ne travaille pas. Et depuis des années, nous étions à la charge de notre grand-père. Ouais. Mais il y a 3 ans, nous lui avons menti. Menti. Menti, oui, c'est toujours là. Sur une chose qui est que nous avions soi-disant opté Opté. pour acheter un appartement par facilité, pour une mensualité de 3 millions chaque mois. C'est-à-dire, lui, mesquin, il débourse 3 millions chaque mois avec cette intention-là, parce qu'ils ont opté pour l'achat d'un appartement. C'est ça. Pour commencer. Alors, depuis 3 ans, il nous a cru, et moi et mon frère aîné, qui a 27 ans maintenant, il nous donne en plus notre charge, en plus de notre charge, Voilà. 3 millions chaque mois, Subhanallah. que nous utilisons pour autre chose. Ouais. Maintenant, je suis persuadé que nous avons commis une grave faute, Alhamdoulillah, mais le fait déjà. de lui raconter ça nous créera des problèmes
Nous sommes dans l'obligation de continuer le mensonge. Comment faire? Vous n'êtes pas dans l'obligation de continuer ce mensonge-là. Oui. Voilà. Il faut assumer votre responsabilité, voilà, et assumer votre erreur et lui parler franchement, parce que vous l'avez dupé pendant 3 ans. Normalement, il n'a pas vraiment à subvenir à votre charge déjà quotidienne parce que votre père est là, il est vivant, peut-être il travaille ou je ne sais pas. C'est à lui de s'en charger déjà. Votre grand-père, il a fait de son mieux. Toutes ces années-là, il vous a pris en charge. C'est considéré comme étant un bénévolat de sa part et une charité de sa part. Et en plus de ça, hein, je vais utiliser un petit terme comme ça, qui a de la considération. Entre parenthèses, vous l'avez volé par cette ruse. En quelque par cette sorte, trahi. Voilà, trahi et volé. Hein, parce que normalement, cet argent-là ne vous revient pas. Non, droit. Il y a plusieurs manières de réparer ça. C'est-à-dire, si ça va. Ça va créer peut-être une. Comment si c'est ça? Parce que lui, il va débourser encore et encore et encore. Non. Bon, ils vont garder cet argent-là et lui rendre par une autre issue. Peut-être. Ça voilà. Sera. C'est-à-dire, à chaque fois, il ne faut pas utiliser cette somme d'argent, c'est ça, M. Mgari? Non, c'est-à-dire, on peut lui dire, ça y est, on n'a plus besoin. On a d'autres choses. Voilà. Puis essayer de lui rendre l'autre par une ou autre manière. Voilà, peut-être, ça rentre dans... De l'arc, c'est pour consolider l'arc. Les liens familiaux, peut-être. Hein. Qui a inventé cette méthode. Voilà, pour de la voler, ruse, la ruse. Il peut inventer la méthode pour... Barakallahu fik. Ça sera plus sage, peut-être. Il faut assumer. Ça sera plus sage. Mais voilà. Il faut réparer, c'est-à-dire ça ne justifie pas que ça continue. Voilà. Le vol continue, il faut qu'il cesse. Très bien. Docteur Jouri, nous arrivons dans cette émission. Et on va pas se rencontrer pour l'aide de Sahaïdak. Allah aïdakum moubarak, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nos frères et sœurs. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Et puis invoquez Allah Azza wa Jalla pour nous aussi. Voilà. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, sœurs et frères, merci pour votre attention. Taqabbal Allahu siyam wa al-qiyam, Eid Mubarak, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.